Allez, c'est parti. Fancy ride. Ah, quoique, attends. Comment ça marche? Can I get a ride? Where's the wind taking us today? Je peux pas choisir ma... Well, you know where to... Emerald Range? Ou alors on fait Saint-Denis et après on passe par la voie ferrée en fait. Parce que j'ai envie de tester la diligence. Can I get a ride, please, partner? Where are you going today? Can you take me to Saint-Denis, please? A close one. Sounds good to me. Je me demande si on peut se faire attaquer. Come on! Yes! J'ai pas eu le temps, merde. Oh, mister. That's terrible. This is bad news. Oh, ça c'est un peu triste par contre. Come on. Oh, merde. Désolé. Désolé. On va aller attaquer la diligence. Sympa que le monde soit en vie comme ça, enfin, c'est bien fait. Si on peut attaquer la diligence sans tuer personne, on essaye de le faire, on va voir si c'est possible.
Here's his shine. Yep. Yeah, good boy. Who we got here? Waouh, il y a trop de monde. On va voir, on peut peut-être lui parler. Oh, stop a moment. Hey. A word of warning. I seen a big old gator just sitting in the road up ahead. I think we'll take our chances. That's shine, all right. I'll get you home. Je peux pas lui. Oh my God. Oh, shit. D'accord, ok, on peut pas alors. You ain't getting nothing. Donc on peut sauter sur le chariot, mais en fait Arthur va apparemment va pas taper le mec qui est à côté. C'est un peu con, ça fait débile. Qu'ils viennent se faire massacrer par le mec qui était à côté. Hein. Mais bon. Enfin bref, c'est pas grave. C'est fait. C'est fait maintenant. Bonne soirée, bonne nuit, Saphir. Merci d'être passé. Et on passe. T'essayes de mourir. So, I got your moonshot. You're a wonderful man, wonderful. You got my money? It's for a very good cause. My name is Professor Andrew Bell III. Perhaps you've heard of me. Can't say that I have. Oh, I'm an inventor. Maybe you've read about me. I don't read much. Oh, well, that's too bad. Oh,
Yes. You got my money? Oh, well, it is the most wonderful invention, friend. Il n'y a pas d'argent. You, sir, have done a great deed. All I've done is get some creep a lot of drinks. Creepers? Excellent. Nonsense. Now, you've helped me develop the most humane machine imaginable. A way to induce calmness to our most troubled souls. A way to end the barbarity of a public hanging. Oh, so, so humane. What are you talking about? The electric chair. What? It's a chair full of electricity. It's quite fascinating. It calmly and peacefully dispatches sinners to face judgment. Yes, judgment. Yeah. Where is it? Well, it's in my laboratory. The next thing I need is a demonstration. A public one. Huh. Do you know the police chief? As well as anyone. Oh, wonderful! Perhaps you can encourage him to let me demonstrate the chair. It will help bring this town into the next century. Yes, could you do that? Hmm? On vient d'aider à créer la chaise électrique. What? You know how it is. I'm almost pressed. Donc c'est pour alimenter quoi? Un générateur en fait là. Okay, you're concerned, I am the devil. Now get out of here. But this cad! I said get out of here! This is an outrage! Qu'est-ce qui se passe? I don't quite know why I did that. Because barbarity is boring, no? It kept me amused some years. You must go, my friend, before the gendarmerie arrive! Hey, you gonna do right by this fella's wife? You have done right by her. The little bird is free. I am an artist, cowboy. I must do what I feel. Look, I have an exhibit at the gallery. You come, see what I mean. Il va nous foutre dans la merde, le français. Donc, c'était pas ça. On était pas en train de faire ça, nous. C'est là, le professeur. Ouais, c'est le professeur. Elle est pas mal la ville comme ça, avec un peu de brouillard dans la nuit, avec les lumières. Ça peut être pas mal. Vous rajoutez quelques zombies et hop, vous avez un jeu de zombies. Parfait. Obtenir un permis pour faire une démonstration de la chaise électrique. Ah ben putain. Pas passer la corde, c'est bon ça. Oups, doucement, doucement, doucement. Bonjour. Sir, welcome to our humble police house. Ha! Look at this country bumpkin thinking he's tough. Can I help you with something? Saluer. Hey there! Go to hell. I can't possibly help you if you don't tell me what you need.
What can I do for ah, faut que je rentre. Chief, I'm representing the inventor of a humane execution machine, an electric chair, and he wants to demonstrate his invention here. Ah, I'm familiar with the man and his work. Tell you what, I'll give you a permit, but it's gonna cost you $100 in fees. Hey, look, this will save you money in the long run, and it'll save the condemned a whole lot of pain. That remains to be seen, but I'll give you a permit for 50. Je suis pas sûr. Well, price is fair. Here you go. And here, sir, is your permit. Pending the usual formalities, of course, such as finding a suitable candidate for humane dispatchment. I'll tell that to the professor. Good luck. Je suis pas totalement sûr que la personne ne souffre pas sur une chaise électrique. Mais bon. Hein. Qu'est-ce que j'en sais? J'ai jamais testé. Okay, boy. Ah ouais, encore une quête qui va super bien finir. Get yourself some real food, huh? Listen, you have to take this. Ooh, that's real kind of you. Merci. I lost my money playing. Extra de l'expérience pour la santé. Know where a good game is. Il y a 50% vers le niveau 8. C'est bien ça. Regarde si j'en ai pas récupéré d'autres. Ah si. Autant d'expérience pour le sang-froid. Yeah. 50% vers le niveau 7. On peut rentrer dedans comme ça là, genre comme sur un train. Excusez-moi, je passe. You're all right, boy. Il va nous demander sûrement de trouver un mec maintenant. Hello, Professor. Professor Andrew Bell the Third. That's it. So, the chief says you can test out your machine pending the usual formalities. And what are they? Finding a suitable subject. Ah, funny you should mention. This fella here, he seems sturdy enough and he's guilty of sin. Wilson J. McDaniels, wanted for murder, bigamy and immoral animal husbandry. What's that? The mind shudders. Non, j'ai pas envie de savoir. Here, find him for me and help me put him out of his misery. McDaniel. Bon, c'est parti. Dire que maintenant on aide quelqu'un. Ok. c'est fou. Ah mon dieu, c'est fou. Alors, c'est là-haut. Ça fait un peu loin quand même. Bon, bah go. Hein. C'est parti. Ça fait un peu loin, mais on y va. Pas grave. Well, fine by me then.
Est-ce qu'il fait la route automatiquement? On est bon. Ouais. Enfin, je crois. Ouais, ça va, il tourne automatiquement. Donc ouais, donc on va arrêter un mec, on va le capturer vivant pour le mettre sur la chaise électrique. C'est, bah, c'est très moderne du coup. C'est très très moderne. Par contre, je sais pas si le cheval est fatigué ou pas. Canards aussi, il faut les capturer, enfin faut récupérer les plumes et tout ça. On va un peu couper. Il y a un camp. Je crois qu'on peut tirer en mode duel. J'avais vu ça. Ah, il y a des fleurs à remplir. Je crois qu'on peut tirer en mode duel. Je crois qu'il faut être devant quelqu'un. On peut activer le duel en pressant doucement R2 en fait. Ah, on peut pas emporter plus. Ça marche sur le cheval. Non, ça marche pas sur le cheval. Il y a le dégainé qui s'a... Ah si. Plein de petites choses que le jeu dit, explique pas. On peut faire le coup de monter la jauge de sang-froid et après dégainer. Whoa, easy. Yeah, okay, boy. Alors, allez. On va essayer de l'utiliser sur le mec qu'on recherche, genre pour le... Ou pour lui mettre une balle dans la jambe, ou alors pour le désarmer. Ah,
presque. Ok. Ça a aucun sens. Bref, pas grave. Non, rien vu, comme d'hab. Tout va bien. Des fois j'essaye d'éviter, hein, je tourne droite, j'essaye de virer de bord, mais rien du tout. Alors comment on fait? Il faut retrouver notre mec. Oh, pas mal, ok. J'ai même pas d'armes. Pas tuer le mec par contre. Dépêche! Il est très lent. Je vais le rattraper. T'as vu que mon cheval est très très lent. Ou alors je tire sur le cheval. J'ai pas l'air con. Tourne au ridicule. Oh putain de merde. Hey go.
Goldo, I got a special treat for you. Born free. I was born free, goddamn you. Just isn't your day, is it? Bon, on a McDaniel. Non mais là on fait des choses intéressantes. On teste. On va tester la chaise électrique, c'est intéressant Goldo, désolé, pas de call off pour le moment. This ain't America. We ain't free no more. Sounds like sour grapes. You know, you ain't going to court. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? You're a lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Shut up! Huh? You ain't gonna die needlessly is what I mean. Nope. Your death's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. What the hell you saying, mister? This professor, Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd, maybe harebrained, but I got no reason to doubt the quality of his work. What's this damn professor got to do with anything? Well, he wants to try this new electricity chair on you to kill you. You may. No! Yeah. Well, he's gonna strap you into this. Ah, donc il sait comment ça marche. Run a large electric current through your system. Got something to do with moonshine. Don't quite know what. I guess that's why he's a professor and I'm the bounty catcher. But as I said, I can pass on his assurances that this is a most humane way to go. It'll be just like, well, like switching off a light. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. Oh, they would. And we got a permit and everything. You was in animal husbandry, am I right? Well, you ever seen lightning strike livestock, Mr. McDaniels? I ain't ever seen the actual impact, but I came across a pasture sometime after. The storm had just cleared, and there was smoke in the air, smell of burning hair. You know, must have been a dozen head of cattle, lying there, piled up, mangled. Strange scars across their backs, legs, and necks. It's half like they was burned, half like the skin was ripped off. No! Eyes bleeding. Some of them popped out. No! If I hadn't seen the storm, I would have thought some devil caused that mischief. But no, sir. It was lightning. The electricity does something, all right. I seen trees explode in front of me. I seen desert sand baked into glass. That's what I seen lightning do. But, hey. This electricity professor's got a plan for you. Ah, that must be an entirely different kind. Wow, okay. je vois pas pourquoi. Putain, je vois pas pourquoi Arthur lui a dit tout ça. Ok, bah ouais, c'était sympa. C'était un peu sombre, quoi. Un peu violent. Incendie. Ah oui, oui, le mode. Oh merde. Ah, oh, j'en ai marre. Utiliser en fait le je devrais utiliser le sang-froid plus souvent, je me force à pas le faire mais c'est con. Bon, ça va faire quoi, 3 fois que je me prends un arbre.
À tout à l'heure, Goldo. À tout à l'heure. Ça commence à faire beaucoup quand même. J'arrive, j'arrive. Arrête de te... de gigoter comme ça. Hey, Gaunt. I'm sorry about that, McDaniels. You all right? Me too. Well, you'll be happy to know we ain't got far to go. Hold on tight now. Oh, c'est drôle. Alors, double canon avec des balles. Et là, il faut le Springfield. Avec de l'express. Looks like this one's a hell of a catch. Voilà. Ça m'énerve de pas avoir les armes sur moi. Au croix, merci pour le follow. J'ai juste de voir ça. Il y a 20 minutes. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Des fois, les conversations elles sont trop folles dans le jeu. Allez, on va voir comment ça va se finir avec la chaise électrique. Enfin, sûrement pas bien pour lui, mais on va voir. S'il faut, ça va peut-être pas marcher. Je crois qu'avant, en Amérique, il y avait une loi comme quoi si on survivait à la chaise électrique, je crois, on était gracié. Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Et après aussi t'avais la sentence, genre chez les trucs jusqu'à ce que mort s'en suive. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Non, ça existe plus chez les trucs. Hey, mister. Allez, on va voir ce qui se passe. Professor will be real pleased to meet you. No! Here, I got him. Bring him over here. You're wonderful. Just come on. Wonderful. Don't be shy now. Let's go. Put him down just there. These days ain't short. Now, where's my money? Money? Yeah, for all the running around I've been doing. Oh, well, once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Yeah, let's hope. All right, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Come along. Ah oui, il faut qu'on customise notre fusil à deux canons. Est-ce qu'on peut monter avec toi, mec? Ou pas? Non? Je vois pas pourquoi on n'est pas monté avec lui. Normalement ils nous attendent et ils nous disent qu'on peut monter avec eux, mais là non.
Où est-ce qu'on va, du coup? On va au shérif. Excuse I. What's your problem? Je sais pas si on doit les suivre ou pas. Au final. Hey, mister. Hi there. So, you heard anything about any bounty hunters in these parts? Can't say I know. Howdy. Howdy, sir. Hey, you there, wait. I wasn't born yesterday. Bon bah je crois que c'est fini en fait. Ah merde. Non, je crois que c'est tout simplement fini. Examiner les photos que vous pouvez savoir plus sur les photos. Les sas de la gâchette. Reprendre l'activité plus tard. Reprendre l'activité plus tard. J'ai envie de tester ça. Mais ça va pas être bon pour notre karma, je pense. Je vous remercie que l'armure de Saint-Denis organise des jeux d'argent qui lui rapportent gros. Rendez-vous au magasin pour les... non, pour enquêter. En plus, je voulais aller à l'armurerie, donc pourquoi pas. Oh la vache! Il fallait se prendre un arbre encore. Qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Complètement bourré. Il est plus bourré que moi. Salut Orion, ça va? How are you, man? Hola, señor. Oh, look out. On va aller demander des cartes mères. Ça va pas être bon pour notre karma, fait chier. Non, c'est pas grave, on va tester. On va tester quand même. Welcome back. Come in. Let me know if I can help you choosing something. Excuse me. Get out of there. Please, don't do that in here.
Sorry, pal. This is invitation only. What's wrong with you? Vous avez découvert une opération clandestine, enfin, vous pouvez maintenant lancer un braquage visant l'activité illicite du magasin. No, you, not in here. Get out of my shop. D'abord, on va personnaliser notre fusil. D'abord, on personnalise notre truc, après on braque. Alors, attends. Double canon. On va nettoyer l'arme. Alors, le canon. La longueur. On peut le faire plus court. Non, là, c'est court. Ça, c'est canon long. On va faire canon long. You can stay if you don't make any more trouble. On va mettre des rayures pour la portée. La mise, la mire. On va mettre ça. Glad to see you're taking care of it. Crenage. So many people don't. On va mettre une enveloppe. You got no regrets with that decision. Noirci, bruni, bleuté. Nickel. On va laisser bruni. Are you going to buy anything? Either you buy something or you leave. Are you going to buy anything? Tu vas fermer ta grosse gueule, sérieux. Nakajou. Ah, voilà, il est joli comme ça. You ever thought about getting some enhancements for that gun? We also offer an engraving service in case you are interested. Either you buy something or you leave. Non, on a changé le couteau. Cattleman, non, on s'en fout de cela. Looks like you've been taking good care of that gun. Revolver double action. Les double actions, il faudrait les faire, mais vu qu'on va les changer dans pas très longtemps. Oh, you've not been caring for the gun properly, have you? Springfield, on l'a fait, il est très classe. Would you consider some of our gun improvements? Il est très très stylé. Ah, peut-être la couleur de la lunette, on peut changer, on peut la mettre noire. I can see you look after your firearm. Lunette, il y a pas la couleur. Style métaux, c'est tout noir. Ah non, c'est tout marron plutôt. Canon, cadre, chien, mire.
Ah, yes, ok. Est-ce qu'on aurait dû mettre Belou? Are you going to buy anything? Non, non, faut payer à chaque fois. Genre la couleur, il y a écrit là. C'est 6$ à chaque fois si on veut changer de couleur. Certaines, c'est 8. Il faut tout le temps payer. On a plus que 870. Là, je crois que je viens de claquer quasiment 200$. Ah, celui-là du verrou, on s'en fout. Le rolling block aussi, on l'a fait, il est joli. Canoncier. Canoncier, on l'utilise plus vraiment. Lui. Ça sert pas à grand chose. Double canon, il est joli. Double canon. Pompe. You know, we sell plenty of parts to improve that weapon. Couteau de chasse. Il est joli aussi. 4 mains double action. Non, Volcaïque, non. Landcaster, je crois pas qu'on les fait. Parce qu'on l'utilise pas. Glad to see you're taking care of it. So many people. Et après, don't. C'est le Springfield le mieux. Celui-là que je préfère. I can see you look after your firearm. Voilà. Ah, c'est super cher. Mais ça sert pas à grand chose. Enfin, il y a les parties si. Rallonger le canon, mettre des rayures à l'intérieur du canon, tout ça, ça permet d'augmenter la portée des armes. Enfin, non, la portée de l'arme. Mais après, ouais, il n'y a pas. Après, c'est surtout du skin, quoi. Après, c'est surtout du skin. Qu'est-ce que je voulais faire du coup? Je voulais faire ça. Non! You're not coming in the shop with your face cut. You threatening me? I swear to God, in this shop. T'es sérieux? You won't get away with this. Crash! Ah! 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 J'aurais peut-être. Ah ah. On va recommencer. Apparemment, il fallait pas que je mette mon masque, je pense. Mettre le masque, je crois que ça a complètement foiré la mission. Ma tête, elle est très bien où elle est, Orion. Sois pas méchant. Ici. Hello, sir. Ici, ma petite chérie. Il est où l'armurier? Allô? Il était pas là. Shut up! Hey,
place. Someone there? Do you have anything spare for a blind man? Oh, good day to you. Do you have anything you can spare for a blind man? Oh, thank you, sir. Truly, thank you. It means a lot to me. J'ai l'impression qu'on a niqué le truc, en fait. L'armurier est plus là, je sais pas pourquoi. Pourtant, on n'a pas de bounty hein, sur la map, donc on a bien sauvegardé, enfin on a bien rechargé la bonne partie. Bon, bah merde. Bon, on va faire la mission de Dutch. Du coup, vu qu'on est là. Faire la mission de Dutch. Ma gloire. Je suis un peu deg. Wow, ce brouillard et tout. Bonsoir, monsieur. Good evening. Hey, mister. Bonsoir. Je sais vraiment pas s'ils vont le faire, mais imaginez, genre, Saint-Denis qui est rempli de zombies comme dans le premier avec le DLC zombie, là. Genre les gens qui essayent de survivre et tout, ça peut être drôle, franchement. Être super bien fait. Je passe entre les plantes. Les zombies, c'est démodé. Non, c'est bien, c'est toujours fun les zombies. There you are. You boys ready? Of course. What else do you know about this guy? Not much, just he's some slick little greasy-haired European who's clearly got power and money. Now, listen. If we go in there and start shooting up the place, the boy's gonna get shot, that I guarantee. Better like this, you're gonna have a lot of protection. Ain't no one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm them. Trust me. This the place? Must be. You okay, John? I guess. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Run along now, boy. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. I got this. J'ai pas envie d'avoir une prime sur la tête. J'ai pas envie de payer encore, s'il vous plaît. Dutch, fais pas le coup. Des démons des enfers. Don't worry, boys. Des portails démoniaques à faire. We just need to straighten a couple of things out with your boss. Ça serait stylé. Sera rempli de Fortniteurs. Fortnite. Oh putain, où tu me trouves tout ça, mon petit sérieux? Nate. Pronto! Come stai? Chi sono sti buffoni? Buffoni? Coi soldi? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. No. So, you walk into my city
stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business. We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words. You lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Teodoro. Date da beresti uomini. Angelo Bronte. Dutch Vanderland. Arthur Morgan. The pleasure is mine. John Marston. All mine, please. Il y a toujours le gosse qui est enfermé au sous-sol. So, can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know, you would not want that, huh? No. No, no, no. So how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men. Of course, they run a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, you tell me more about my manners. On dirait le Joker dans... Salute. On dirait John Nicholson. Non, Jack. Jack Nicholson. Jack Nicholson. John ressemble pas à un clodo sous alcool exact. Grave robbers? You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? None, I guess. This is idiotic. You know where the cemetery is? I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. You know, you did good holding your tongue in there. Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? We don't even know where Jack is. Listen, we found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. I hope he's okay. He'll be fine. I figure the Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done. Let Dutch handle the rest. I just hope you're right. C'est vrai que John est pas top, hein, vraiment pas top hein, dans celui-là. C'est bizarre. Hein. Il a l'air vraiment. I think this is it. Bête. Keep it down. Let's hitch your horses up ahead. Juste bête. Hey! Juste bête. Avec de l'alcool. Bête avec de l'alcool. Je crois que du coup ça a pas compté
le fusil quand on l'a refait. Ah si si, c'est la couteau. Mais on a toujours pas le retour du de l'armurier, hein. Je sais pas pourquoi.